Madame ici, bienvenue dans cette émission-là. Aujourd'hui, nous pour cause la pneumonie, c'est-à-dire inflammation ban poumon qui causée soit par une infection avec ban virus ou ban bactérie. Dans nos émissions aujourd'hui, nous pouvons donc cause la ban symptôme, sa maladie-là, la ban complication, le traitement et aussi la ban précaution. C'est un problème la santé qui est capable grave pour ban patient qui n'a ban maladie chronique. La pneumonie, c'est une infection aiguë des poumons, habituellement causée par des bactéries ou des virus. Dans une pneumonie classique, les pathogènes sont multipliés dans les alvéoles. Les alvéoles, c'est quoi? Ce sont des petits sacs microscopiques dans les poumons que du sang prend oxygène et élimine le dioxyde de carbone. Donc, à cause d'infection, ces alvéoles-là sont remplies de liquide inflammatoire ou même du pis. Alors, échange gazeux fait avec difficulté, et même les faibles symptômes respiratoires. Les pneumonies sont potentiellement graves, surtout quand ils touchent les personnes souffrant des maladies chroniques et les gens âgés. Qui ban différents types de pneumonie qui est là? Il y a plusieurs classifications, mais il y a une classification pour quel endroit patient là il contracte la maladie. Parce que différents entourages exposent les gens à différents pathogènes. Nous avons la pneumonie aiguë communautaire, c'est-à-dire le CAP, le comité acquis de pneumonie. C'est quand une personne développe une pneumonie en dehors de l'hôpital ou bien facilité de traitement. Nous avons la pneumonie qui est acquise dans l'hôpital, le HAP, le hospital acquis de pneumonie, aussi connu comme la pneumonie nosocomiale. C'est une pneumonie qui est développée 48 heures de temps après une admission à l'hôpital. Nous avons aussi le VAP, le ventilateur associé à la pneumonie. Ça, c'est une pneumonie qui est développée 48 heures de temps après une intubation pour mettre un patient dans l'appareil respiratoire. Et en dernier lieu, nous avons le HCAP, le Healthcare Associated à la pneumonie. C'est une pneumonie de patients qui visitent dans un établissement de santé, comme les dialysés, les personnes sous chimiothérapie ou même les gens qui habitent dans les nursing homes. Donc, qu'il faut dire pour autant nous différencier les différents endroits. Parce que nous remarquons que dans chaque endroit, nous avons un pathogène spécifique qui prévaloir. Donc, quand nous connaissons quel type de pathogène prévaloir, et nous connaissons une personne qui a ce pathogène-là, il finit de nous pour commencer un traitement plus approprié à ce patient-là. Et puis, nous avons une classification anatomique. Nous avons la bronchopneumonie, c'est une pneumonie qui affecte les poumons qui sont autour des bronches. Nous avons la pneumonie lobaire, qui va affecter une partie du poumon, un lobe ou plusieurs lobes. Et nous avons la pneumonie interstitielle, que les pathogènes sont affectés dans une région autour des alvéoles, mais pas les alvéoles. Donc ici, nous trouvons une personne qui a une pneumonie avec, nous trouvons que sur un alvéole ici, ça c'est un alvéole normal. Et ici, il est rempli avec un fluide infectieux, avec inflammatoire. C'est ça qui cause l'infection dans les alvéoles, qui cause un signe typique. Quelle situation était dans le monde par rapport à pneumonie? Dans le monde, selon les estimations de l'OMS, 450 millions de cas de pneumonie enregistrés chaque année. Et environ 2,5 à 4 millions de personnes meurent de la maladie chaque année. Et les incidences plus élevées surviennent chez les enfants de moins de 5 ans et les adultes plus de 75 ans. Et dans les pays en voie de développement, nous remarquons que l'incidence est quand même 5 fois plus élevée que dans les pays développés. Ici, nous trouvons l'incidence mondiale. Donc, nous remarquons que parmi les enfants, il y a assez fort. Ici, les enfants en bas 5 ans. Donc, taux de pneumonie il diminue et puis il revient une fois pour les gens là-haut 75 ans. Donc, c'est les deux populations à risque, les enfants et les gens âgés au-delà de 75 ans. Et à Maurice, d'après le Health Statistics Report de 2020, les admissions dues aux maladies respiratoires, nous trouvons que la pneumonie et les admissions varient entre les et 600 à 850 cas par an. Et les dames et les messieurs, les plus ou moins égales. Quand nous considérons une maladie respiratoire qui cause la mort en 2020 à Maurice, la pneumonie et la pneumonie d'aspiration, type parmi les principaux causes, avec 504 décès,
qui fait 42,4% de tous les maladies respiratoires causant la mort. Qui bonne cause pneumonie? Première cause, c'est les infections. Donc, les infections comme les infections bactériennes, virales, mycotiques, c'est le champignon, et du mycoplasma. D'après nos tests microbiologiques, nous remarquons que le streptococque pneumonie, c'est la bactérie qui cause plus de pneumonie. 20 à 60% des cas causés par la streptococque pneumonie. Nous avons le Haemophilus influenza, nous avons le Chlamydia pneumonie, nous avons le Mycoplasma pneumonie, nous avons la Légionelle, le Staphylococcus aureus, les bacilles de gram négatif et les virus. Et pendant les épidémies de grippe ou de COVID, nous remarquons que, par exemple, maintenant, le SARS-CoV est capable de faire une pneumonie. Et même les influenza, les virus d'influenza capables de faire une pneumonie. Et même le virus de le RSV, connu comme le respiratory syncytial virus, ces trois virus-là sont assez communs dans les pneumonies virales. Et puis, nous avons les pneumonies dues à des infections opportunistes. C'est quoi les infections opportunistes? C'est dans les personnes immunodéprimées, par exemple, un patient du VIH-SIDA qui ne prend pas ses médicaments, une personne qui fait la chimiothérapie anticancéreuse, et même les dialysés, il y a des formes particulières de pneumonie qui nous appellent les infections opportunistes. Ben micro-organisme qui est responsable pour ces pneumonies-là, habituellement, inoffensif pour les personnes en bonne santé, mais ils sont capables de rendre les personnes avec une immunité affaiblie malade. Donc ça, c'est un type de pneumonie qui nous gagne ça dans les gens qui ont un système immunitaire pas trop bon. Nous avons la pneumonie par aspiration. Pneumonie par aspiration, causée par aspiration de salive, des particules alimentaires, d'acide gastrique ou vomi, et même des causes étrangères. L'aspiration est plus probable quand la personne a une difficulté à avaler. Par exemple, s'il y a une lésion cérébrale après un accident cérébrovasculaire, ou parce qu'il consomme l'alcool, ou même des drogues qui perturbent le réflexe d'avaler normalement. Et en dernier lieu, moins commun, une pneumonie non infectieuse qui est causée par l'hypersensitivité, exposition à des produits chimiques et la radiation, par exemple. Mais c'est très peu. Qui mange immune et qui plie sa risque pour développer la pneumonie? Certaines personnes ont un risque élevé de développer la pneumonie. Les facteurs de risque sont ceux qui récemment ont gagné une infection virale, des voies respiratoires supérieures, y compris la grippe, ceux âgés plus de 65 ans, ceux qui fument, les gens mal nourris, les personnes avec des maladies respiratoires chroniques comme l'emphysème pulmonaire, l'asthme, la mucoviscidose. Et puis nous remarquons ben, une personne qui a des problèmes médicaux comme la diabète, les maladies cardiovasculaires, ça aussi les prédispose pour gagner une pneumonie. Et puis ceux qui ont des difficultés pour tousser en raison, comme on utilise, un accident vasculaire cérébral ou ceux qui prennent des sédatifs ou même l'alcool, donc ils développent une pneumonie d'aspiration, ils ont un risque. Et puis ceux qui ont un système immunitaire affaibli, donc ben, ceux qui ont des virus du sida, qui dans un état d'immunodépression, ceux qui font une grève d'organes et qui peuvent prendre médicaments, diminuer leur pression, ceux qui peuvent suivre une chimiothérapie, et même ceux qui peuvent prendre des médicaments comme des stéroïdes à long terme. Quand un immune a une pneumonie, quels symptômes les gagner? Les symptômes les varient d'après la gravité de la maladie. Donc typiquement, le patient peut gagner tousser avec flemme, flemme là, les cas jaunes, les cas verts, les cas blancs, ils ont gagné la fièvre avec des frissons, des douleurs thoraciques, quand vous respirez, que vous toussez, et même vous gagnez essoufflement dans des cas graves. Quelquefois, patient capable même gagner nausée, vomissement, diarrhée et confusion mentale. Il y a aussi des pneumonies causées par des bactéries atypiques, que les symptômes sont plus légers. Aussi, comme nous connaissons une pneumonie qu'on appelle walking pneumonia, c'est parce que le patient capable de faire ce bon travail de tous les jours parce que ce symptôme est minime. Les complications des pneumonies peuvent être l'épanchement pleural, ça veut dire une accumulation de fluide dans l'espace pleural qui est l'enveloppe autour des poumons. Il peut être un empyème quand il y a un tipi dans l'enveloppe là.
li ka cause un abcès. Un abcès, c'est une collection de pus dans la partie du poumon qui a été infectée. Li ka fait une bactériémie. Une bactériémie, il survient quand l'infection pulmonaire il sortit des poumons et il rentre dans la circulation sanguine. Il quand même termine par une septicémie. Que l'infection a fan dans les corps, il plusieurs organes. Il a un patient qui a une pneumonie grave, capable de développer une détresse respiratoire, qui a même besoin d'intubation et ventilation par machine. Et puis, nous remarquons que cette étude a montré que une personne qui a une pneumonie, c'est un risque accru d'avoir un problème cardiovasculaire après l'événement de pneumonie. Par exemple, il y a un risque cardiaque, même après sa résolution. Comment vous faites un diagnostic de cette maladie-là? Quand un patient lui dit, comment nous faisons ce diagnostic? Donc, premièrement, nous prenons l'historique du patient. Nous demandons quand il y a une exposition avec un patient déjà malade, s'il a voyagé, et si jamais, depuis quand il peut tousser, et qui a été flemme, il peut gagner. Et sous condition de fièvre, si il a perdu poids, tout ça, nous posons une question. Là. Et puis, nous pouvons examiner, nous pouvons regarder, nous pouvons examiner, nous pouvons sculpter, nous pouvons regarder un coup de saturation d'oxygène. Et puis, si jamais il peut gagner un symptôme assez grave, nous pouvons faire un test plus approfondi. Donc, nous commençons par un test, nous faisons la radiographie pulmonaire. Donc, si la radiographie pulmonaire démontre une pneumonie, donc nous trouvons une tache lobaire, une tache qui nous trouve une infection. D'après ça, extrait-là, nous confirmons la diagnose. Quelquefois, nous devons faire un test approfondi, comme le crachat, ça veut dire nous prendre le crachat dans le laboratoire pour analyser. Quelquefois, nous devons faire un test sanguin. Quelquefois, nous devons faire les autres tests, comme même un scan pulmonaire, pour confirmer si nous avons un doute. Dans sa radiographie pulmonaire-là, nous trouvons qu'il y a une tache dans ce parti droite là-haut, ici, ça c'est une pneumonie lobaire droite et de ce lobe supérieur. À côté gauche ici, nous avons une pneumonie lobaire qui peut affecter tout ce parti côté gauche. Dans sa patient-là, nous trouvons une pneumonie de côté. Donc ça c'était un cas de légionelle. Nous trouvons une pneumonie sur base gauche et de côté ici, droite et gauche, tous les deux, la manopacité. Ça, c'est une pneumonie causée par le Haemophilus influenza. Nous trouvons qu'il y a la manopacité bilatérale, de côté, et plutôt périphérique. Et bien sûr, quand une pneumonie a une pneumonie, nous connaissons une maladie transmissible, il bien porte le masque, il n'est pas besoin d'aller dans une place publique, et puis, fin de la maladie avec les gens, étant donné qu'il y a une maladie contagieuse. Donc, si on a la pneumonie, prends toutes les mesures barrières et tant qu'apport, évite les gens, évite la foule, évite bazar, évite ban supermarché, évite ban place côté na beaucoup de monde. Et qui traitement préconisé pour ce ban patient là? Le but du traitement, c'est d'éliminer l'infection et de prévenir les complications. Le traitement initial de la pneumonie, c'est un traitement empirique. C'est-à-dire, nous commençons les médicaments d'après quel pathogène nous plus suspecter peut causer la maladie. Par exemple, si nous peut suspecter une bactérie, nous pouvons commencer les antibiotiques d'après le type de patient et les comorbidités et possibilité de résistance, nous choisissons un antibiotique approprié. La durée des antibiotiques, c'est au moins 5 jours. La plupart des patients finissent bien avec un traitement empirique et sont capables de prendre un traitement à la maison. Mais une personne qui est malade plus grave, qui a des risques de complications, nous admettons le patient à l'hôpital pour un test et traitement plus approfondi. À l'hôpital, nous mesurons le pouls, la fréquence respiratoire, la température et le taux d'oxygène dans le sang. Habituellement, les patients hospitalisés reçoivent des médicaments intraveineux au commencement et puis nous changeons les données en forme comprimée. Certaines personnes ont besoin oxygène pour tube nasal ou masque pour être sûr de respirer plus bien. Et dans certains patients très graves, nous besoin même intuber le patient. Intuber, ça veut dire nous passer un tube dans la gorge et connecter ce tube-là avec une machine qui appelle un ventilateur.
sans les pour être patient là respirer les pour faire ça travail poumon là les pour faciliter la respiration du patient. Si un test laboratoire montre un pathogène spécifique, nous réévaluer le traitement qui nous peut donner pour donner un traitement plus approprié pour éliminer le pathogène. Qui précaution qui est capable de prendre pour pas tomber malade? Les gestes barrières sont importants. Donc, les 4 gestes barrières à adopter, c'est se laver les mains, éternuer ou tousser dans le coude, utiliser un mouchoir à usage unique et porter un masque jetable quand on est malade pour ne pas transmettre la maladie et pour ne pas regagner les autres bactéries. Parce que, pas oublier, quand on est malade, nous facilement ramassons les autres malades, les autres pathogènes. Et bien sûr, pour prévention, il faut éviter la cigarette et éviter la consommation excessive d'alcool. La vaccination contre le COVID-19 et contre la grippe, ça aussi dit aider pour diminuer les risques de pneumonie. Et bien sûr, une alimentation saine pour une bonne immunité. Et bien sûr, un exercice physique pour garder la santé de la personne en meilleure condition. Ban geste barrière et n'a aussi ban les autres moyens pour protéger ou contre pneumonie. Ou bien évite ban contact physique avec un dimoun qui malade. Comment évite embrasse-li parce qu'il pneumonie capable transmettre par contact avec un dimoun malade. Papotas ban objet qui servit tous les jours, comme ban verre, ban cuillère, fourchette ou bien ban brosse à dents. Et meilleur moyen pour protéger ou c'est vaccination. Dans Maurice, faire sa vaccin contre ban pneumocoque là à ban enfants dans calendrier vaccinal. C'est un vaccin qui est capable aussi prévenir ban otite et ban méningite. Comme il dit Moon, il y a un cholestérol fort dans Maurice, d'après dernier NCD de 2021. Réponse A, 34,8%. Réponse B, 12,8%. Tape santé, espace A ou B et avoye ou SMS l'au 5-251-63-63. Sa semaine là ou pour gagner une balance pour prendre ou poids. Voilà, nos émissions finies ici. Nous finissons l'eau pneumonie. Merci pour l'attention. À la semaine prochaine pour une autre émission.